Yo les gens, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ne choisissez pas le mauvais. Aujourd'hui c'est ne montez pas dans le mauvais minecart. Enfin ne montez pas les mauvaises montagnes russes. Du coup en fait en gros là on a trois minecarts, trois bases. La base de Ben 10, la base de Stitch et la base de Homer Simpson. Du coup voilà trois petites bases plutôt sympas. Dans ces trois petites bases on va y retrouver à chaque fois un personnage. Et ce personnage nous proposera sans doute une épreuve à réaliser. Et on devra sans doute réaliser cette épreuve et voir si nous triomphons de cette épreuve. J'ai mis un petit timeset 0 parce qu'il commençait à faire nuit. On va quand même aller voir ces bases de jour, ce serait plus sympa je pense. Du coup voilà, la première base par laquelle on va commencer, ça va être la base de Stitch. Du coup là on a devant nous, on a un minecart. Et le but voilà, ça va être de monter dans la montagne russe et de voir un peu ce qui se cachera dans cette base. Et de découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos et c'est vraiment important, tu auras les notifications pour toutes ces prochaines vidéos de ce type. Et du coup voilà, je pense que ça peut être plutôt cool. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu s'il y a 500 pouces bleus sur cette vidéo, je referai un nouvel épisode de des montagnes russes, particulièrement celui-ci. Et donc voilà. Du coup les gars, on va tout de suite commencer avec la base de Stitch. Donc let's go, on se met dans le minecart, on allume le levier et là, wouh, c'est parti, let's go. Yeah. Haha, yo Stitch, comment ça va? Ça va bien ou quoi Stitch? Yes! Alors Stitch c'est un petit extraterrestre d'un dessin animé un petit peu à l'ancienne, mais que je pense que certains de vous connaîtront, et qui était vraiment stylé, et il est très très énergique Stitch, du coup ça va être plutôt marrant. Alors là du coup on est dans ta base Stitch, c'est ça? Yes, ok, on est dans la base de Stitch, du coup, alors Stitch, ok sa base, what? Elle est chelou, alors il y a des mesures ici, ok. Là ça semble être des blocs pour un jump, ok, avec un coffre avec des indications. Alors, ça c'est ton lit Stitch, c'est ça? Yes, ok, donc ça c'est ton lit, ok, ok, nice, c'est ton lit. Eh putain, il est stylé son lit, attendez, je vais vous montrer vite fait, regardez. En gros, le lit de Stitch, c'est un petit lit, suspendu. Regardez, donc là, regardez, c'est suspendu, tu vois, hop. C'est fait comme ça le petit schéma, en gros, regardez, là, il y a des petites planches de bois. Enfin, du coup, c'est des trappes, hein, mais je vous explique un peu le bail que ça donne. Du coup, voilà, c'est suspendu comme ça, avec du coup des petites plaques de bois. Et du coup, il a son petit lit ici. Est-ce qu'il est confortable, Stitch, ton lit? Il est en train de courir partout. Yes, ok, il est parfait ton lit. Du coup, nous, on va faire le petit jump. Et on va aller voir ce qui est noté sur les panneaux là-haut. Je pense que c'est sans doute une petite épreuve sympa. Alors, épreuve. Stitch veut pouvoir faire du trampoline. Ok, donc c'est ça, Stitch, que tu veux faire? Tu veux faire du trampoline? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des slim blocks, c'est déjà intéressant. Des carpettes. Ok, bon, j'ai un petit design de trampoline qui risque d'être assez cool. Commencer ici. Stitch, je suis désolé, je t'ai déblocé un petit bloc de concrète. Mais c'était nécessaire. Alors du coup, je me laisse en créatif, ce sera un peu plus simple pour cette vidéo. Fais gaffe Stitch, faut que je construise. Stitch, il est tellement énergique que du coup, je peux même pas construire quoi. Il est trop ouf. Ok, alors hop, tac. Tac, un petit design de trampoline vraiment rapide, mais je pense qu'il peut être très très cool. On va casser le minecart déjà, hop, c'est bon, tac tac. Alors l'espace est très restreint, mais du coup ça explique le toit ouvert hein, de Stitch. Voilà, le petit toit ouvert, et du coup on va remplir de carpet histoire de faire qu'on ne voit plus les steam blocks. Voilà, ok, donc là, regardez, si on monte en haut du jump, en gros, là on peut toujours faire le jump, c'est nice. Et là, on arrive en haut des coffres, et là, petit saut. Yeah! Tu peux même sauter sur le petit saut blanc. Yes! Alors Stitch, ça te plaît ou pas ce trampoline? Il est cool hein? Yes! Bon bah voilà, notre mission est réussie pour Stitch. On vient de lui construire un petit trampoline vraiment efficace. Regardez, je vais faire une dernière petite démo. Merde, je me suis craqué. What? Comment on sort? Ah c'est bon, on peut sortir par ici. Il y a une petite solution quand même. Du coup voilà, Stitch il va plus trop s'ennuyer parce qu'à mon avis il devait faire que de dormir avant. Et là du coup c'est bon, il a un trampoline plutôt cool. Hop, petit jump et là... trampoline, yes, tu peux même ressauter du coup ici et refaire le jump et ressauter, bam. C'est des barres en tout cas, c'est plutôt stylé. Donc du coup Stitch, je te dis au revoir, à plus. Yes, à plus, yes, ok. Bon bah voilà, go, on se retrouve très bientôt Stitch, peut-être pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si Stitch vous a plu et vous voulez le revoir dans une vidéo, c'est vraiment à vous de me dire en commentaire. Puis sinon voilà Stitch, on se dit définitivement adieu. Puis on va tout de suite aller voir la base de Ben 10.
Bon, on va attendre qu'il fasse jour avant d'aller voir la base de Benten, puis let's go dans la base de Benten. Et me voilà de retour, voilà, devant la base de Benten, prêt à monter dans le chariot. Donc voilà, ça va plutôt être sympa, je pense. Il fait jour en plus maintenant. Je me suis mis en game mode survival, je pense que c'est plus intéressant lorsque je fais des petites épreuves, des trucs sympas, ça peut être bien plus drôle. Du coup, let's go, on va tout de suite monter dans le chariot, activer le levier et let's go. Yeah. Ah, yo Benten. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu, Benten, ça fait plaisir de le revoir. Yo Benten, ça va ou quoi? Bien, bien, ok, tranquille. Alors, du coup, Benten, ce que je te propose aujourd'hui... Ah non, tu m'as préparé une petite épreuve déjà. Épreuve, battre Benten en PVP. Lourd, ok. Alors, Benten, aujourd'hui, on avait dit la dernière fois que t'as le droit de te transformer. Du coup, tu vas te transformer aujourd'hui, hein, d'accord? On est d'accord? Tu peux te transformer, t'as le droit. Ok, nice. Alors, lequel des deux coffres c'est pour moi? Ok, c'est lui? Ok, d'accord, nice. Alors, ok, petite armure en fer... Petit, ok, j'ai pas mal de trucs les gars, bon je m'habille tout de suite. J'ai pas mal de flèches, j'ai un petit arc. Ok, j'ai pas mal de trucs sympas. Bon bah let's go, du coup Benten, je vais t'affronter. T'as le droit à absolument tout, même de te transformer en monstre. Tu te souviens la dernière fois que tu étais transformé en monstre? Du coup let's go, vas-y. A 3, 2, 1, go, let's go. Wow, what the fuck, il vient de se transformer en Enderman. Attendez, c'est bien lui hein, c'est Benten ça hein. Ok. Oh merde, le con. Wow. Ok. Pourquoi je l'ai attaqué alors qu'il m'avait même pas focus? Ok, donc voilà, on a bien vu que c'était Benten parce qu'il m'a pas automatiquement focus quand je l'ai regardé dans les yeux. Par contre, je sais absolument pas où il est passé. Ok, d'accord. Il est passé où? On va le retourner le voir à l'intérieur. What? Il m'attendait. Ok, c'est bon. On va réussir à le gérer, je pense. Wow. Ok, c'est bon. Je suis en train de le gérer. On se met bien dans un angle comme ça. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est, les gars. Je l'ai pas tué en tout cas. Ou peut-être que si. What the fuck? Il est où? Ah, le v'là, Benten. Eh, bah, attends, je l'ai battu ou quoi? Est-ce que je t'ai battu, Benten? Non. Ok, je t'ai pas battu. Du coup, on considère que c'est un égalité. Ok, d'accord. Ok, d'accord, Benten. A mon avis, j'étais proche de le battre, mais il veut pas assumer. A mon avis j'étais proche de le battre les gars. Mais je sais pas, je crois qu'il a pas assumé qu'il était en train de perdre. Bon bah en tout cas j'espère que ça t'a plu. On se fait une prochaine belle bientôt. Dites moi en commentaire si vous avez envie de revoir Benten dans un épisode. C'était plutôt sympa comme combat. Tu m'as bien, c'était bien stylé ta transformation en Enderman. J'ai bien kiffé. Du coup bah plus Benten, puis on se retrouve très bientôt pour peut-être pour une prochaine vidéo. Allez bye Benten. Ça je te file un petit arc pour que tu t'entraînes à l'arc. On va tout de suite aller voir Homer Simpson maintenant. Ça va être plutôt drôle, je pense, d'aller voir Homer. Il est temps de rendre visite à Homer. Du coup, voilà. Attendez, je vais éteindre ce petit minecart là. Voilà, c'est bon. Donc là, les gars, on va aller rejoindre Homer dans sa petite base. J'ai hâte de voir comment va être sa base après avoir vu Benten. Voilà, Benten est rentré chez lui maintenant. Donc c'est parti. 3, 2, 1, go! Let's go dans les montagnes russes. Et là... Yes! Oh, stylé la base de Homer. Ah ouais, tu te mets bien Homer. Très très bien. Ok, donc toi, posé dans le canapé, ça change pas. Toujours posé dans le canapé. D'ailleurs, t'as pas de télé Homer. Ah si, c'est ça, t'as un grand home cinéma là. C'est un énorme home cinéma, c'est ça? Yes, ok, d'accord. Alors, du coup, Homer, tu m'as écrit un petit message. Ah non, c'est juste une épreuve, te ramener à manger Homer. Est-ce que ça te ferait plaisir de te ramener à manger Homer? Je crois que ça ferait vraiment plaisir. Il est trop insistant. Il me suit partout en disant oui. MDR débarque. Bon, ok, il continue. Alors là, il a extrêmement faim, Homer. Du coup, attendez, mais sa base elle est vraiment stylée d'ailleurs. Attendez, là, il a un petit bureau. Bon, à mon avis, il doit pas travailler beaucoup sur ce bureau. Hein. Je te connais bien, Homer. Tu travailles pas beaucoup, à mon avis. Il a une petite bibliothèque où il doit pas lire beaucoup de livres. Lui, il est plus stylé. Par contre, il a une superbe cheminée. Genre, elle est vraiment stylée, sa cheminée. Regardez, c'est pas compliqué à faire. En plus, je pense que c'est deux netherracks avec un petit peu de feu. Et là, il regarde tout autour de la brique. Et voilà, la cheminée plutôt stylée. Là, le grand canapé, un autre gros canapé. Petite bibliothèque, petite armoire suspendue, magnifique. Bon en tout cas, le truc qu'on va faire c'est qu'on va devoir ramener à manger à Homer. Par contre ramener à manger ça va être long, attendez. Ah les gars, on va, voilà, j'avais du steak, je viens de voir que j'avais du steak dans l'inventaire. Mais je pense qu'on peut faire genre un truc un peu plus cool, genre des hamburgers. Qu'on lui déposera dans le coffre. Donc on va tout de suite aller faire ça. Moi j'ai une petite idée pour faire des hamburgers stylés qu'on pourrait les déposer dans le coffre. Du coup voilà, alors déjà en fait ce qu'il va falloir qu'on récupère c'est des graines les gars. Donc on va casser un maximum genre ça. C'est bon, on récupère un peu des graines.
Ok, là on en a 12, c'est parfait. Maintenant, le truc, les gars, c'est qu'on va se construire une petite faux. Donc là, notre petite magnifique faux. Donc c'est bon, on l'a. Hop. Et maintenant, le truc, c'est que l'on va faire. Oh, il commence à faire nuit en plus. Bon, attendez, hop. Je vais essayer de me dépêcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Tac, 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 tac. On va même pas tout mettre. Hop, c'est bon. On fait tout pousser à toute vitesse. Il y a des minecarts qui montent chez Homer. Je sais pas ce qu'ils font. Hop. Ok, bon, on a déjà récolté un petit peu. Donc là, on a fait notre blé grâce à la bonne mille. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, les gars, on a 10 de blé. C'est parfait. Et là, à mon avis, on a moyen de faire. Hop, je vais prendre le minecart. Attendez, hop, on va attendre qu'il monte. Et il va redescendre. Il y a Homer qui est en train de regarder à la porte. Yes. On a réussi à le choper. C'est bon, parfait. Et du coup, regardez, hop, petite table de craft. Et là, regardez, hop, on peut faire 9 pains, 3 pains seulement, ok, et hop, du coup, on va lui déposer un petit hamburger, tac, 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 voilà, un petit hamburger pour toi, Homer, j'espère que tu vas apprécier, on va le voir manger, je pense, part à part, son petit burger. Ah c'est bon, ok c'est bon, il a son burger. Donc il va le manger près de la cheminée. C'est parfait Homer, en tout cas ça fait plaisir. J'espère que ça t'a fait plaisir Homer de manger tout ça. J'espère que Volant t'a amené un bon petit repas. Ok, donc là il fait cuire en plus son steak et tout à la cheminée, c'est parfait. Bon bah en tout cas Homer, j'espère que ça t'a plu ce petit repas. On se revoit très bientôt si tu veux d'autres petits repas. Est-ce que je peux dormir ici d'ailleurs Homer? Genre je peux dormir dans ton canapé parce qu'il commence à faire nuit. Ok parfait, bon bah comme ça good, je vais pouvoir regarder un petit peu l'écran plat etc. Puis m'amuser avec Homer, ça fait plaisir en tout cas Homer. Donc je te souhaite une agréable nuit. Puis on va aller se coucher tous les deux. Allez bye, let's go, on se couche. Allez hop. Hop c'est bon, on vient de se réveiller et il fait jour. Bon bah les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une même vidéo de ce type. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Puis d'ici là, bye tout le monde.